Belgium fans in Brussels bar said on Friday that they were beaten by a better side as Italy knocked them out of the Euro 2020 quarterfinal 2-1. Italy scored twice from Nicolò Barella and Lorenzo Insigne before Belgium's Romelu Lukaku converted a penalty all before half-time. Both sides had chances to score after the break, but Italy held on for a 13th consecutive win to extend their record unbeaten run to 32 games. Franchement, moi de toute façon, je trouve que la Belgique, on est des bons perdants. Donc on est fiers de notre équipe, on a réussi à jouer jusque-là. Et voilà, l'Italie c'est une bonne équipe quand même, donc c'était pas facile. Je trouve qu'ils auraient pu faire un peu mieux ce soir, c'était pas au top. Mais j'adore mon pays, donc on est des bons perdants. C'était fair play de A à Z, maintenant voilà, les minutes de prolongation ont été un peu mal jouées par l'Italie, je trouve. Ben voilà quoi, on n'a pas eu cette fois-ci, mais il y a le mondial, on se rattrapera et prochain Euro, on va faire du sale, j'espère. Ben, j'étais pour la Belgique de base, mais il faut dire que l'Italie jouait mieux. J'ai du mal à l'accepter, mais c'est vrai. Ah ouais, t'as aussi du mal à l'accepter. J'ai du mal à l'accepter, mais voilà, ils jouaient mieux, il faut l'accepter. Et voilà, j'aurais aimé que la Belgique gagne, mais ça n'a pas été le cas. Et j'espère que l'Italie va leur réussir à jouer aussi bien au prochain match pour qu'ils vraiment ils méritent jusqu'au fond. Mais c'est sûr. Like there should be some sort of telepathy in between like team players usually, and they did not have that with Belgium tonight. Like, I feel like. And I feel like they didn't have that tonight, yeah. Which it's fair. With a 100% record, Italy head into their semi-final with Spain confident of reaching a second final in the last three editions of the tournament, having lost 4-0 to their next opponents in the 2012 showpiece match.